Salut à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Hunger Games Pokémon saison 8, en espérant que cette non dure également plus longtemps que la précédente. Hein. Et hop, jour numéro 4, Fifadrien vole le matériel de Tinali, Riwolf se pose des questions sur sa santé, Dumane pour la fille de tout, je découvre une rivière. Enfin, quand je vous dis deux, pardon, c'est Pokémon5, du coup je vais pas vous dire Pokémon5 vu que c'est moi-même. Sidonio pêche Carmirror. Ramasse des fleurs, Carmirror pêche également. Chirulino et la fille de tout se split pour avoir plus de ressources. Le joueur mystère tombe dans un lac gelé et meurt noyé. Ferdinand reçoit de quoi se soigner. Magico pense à la maison. Diflix et Laura travaillent ensemble pour la journée. Inkyu reçoit des explosifs et tue Tardos 19-2, Zoémer 2 et Théorogue 2. Damien 0318 fabrique un lance-pierre. Diflix 2 fait une lance en bois. J'entends de loin Taekwondomi les Tinali. Lourado reçoit de la nourriture d'un sponsor. Et c'est la chasse du côté de Sidonio, Linkyu et Price. Il y a 8 morts, le LEP 2, Galaxy 2, ZMR, Armée des Pandef, le joueur mystère, Tardos 19-2, ZMR 2 et Théorogue 2. Nuit numéro 4. Là, il commence à y avoir moins de trucs. Ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange. J'aimerais bien que la saison dure plus longtemps. Hein. Caramiror vient rester éveillé toute la nuit. Laura 2 invite Sidonio à être dans sa cabane. Riwolf commence un feu. Taekwondomi il pense qu'il va gagner. Magikou 2 reçoit de la bouffe. Laura et Fifadrien 2 eh bien, s'entraident. Price 2 passe au feu. Je pense que c'est ne sais pas quoi faire ou quelque chose du genre. Vous pourrez me le dire en commentaire si certains sauraient comment traduire ça. Tend la main à la fille de tout. Tinali, Diflix, Linkyu et Linkyu 2 se racontent des histoires. Hein. Linkyu, je sais pas si tu passeras par là, mais dis-moi comment tu te fais à toi-même pour te raconter des histoires. Tu me le diras en commentaire, je sais pas si tu passeras par là. Sidonio commence un feu, la fille de tout reçoit de l'eau. Tinali fait un feu, enfin, campe pour la nuit. Moi-même, Diflix 2, Shaolino et Damien 0318 et Ferdin, on dort en shiftant et Carmirror se pose des questions sur sa santé. Jour numéro 5, Carmirror 04, Magikou 2, Laura 2, Tinali et moi-même, on chasse les autres tribus, pensant moi-même 2 se camoufle. La fille de Tour et Diflix 2 s'entraident, Shaolin découvre une rivière. La fille de Tour reçoit une hache. Fifadrien 1 et 2 et Riwolf vont dans un fight et c'est Fifadrien 2 qui gagne, du coup tue les deux autres. Fifadrien également, j'ai beaucoup de questionnements en cet épisode. Tu me diras comment tu fais pour te tuer toi-même. Merci beaucoup. Laura eh bien, fait un snap eh bien, de Linkyu. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Elle est juste en train bien d'écouter ce que dit Linkyu derrière elle, derrière lui. Damien 03 pêche. Sidonius pose des questions sur sa santé. Diflix refait une lance en bois. Il prépare quelque chose sûrement. Price 2 et Sidonio bien chasse. Linkyu 2 et Carmirror 4 demandent de le tuer et refusent. 4, eh bien, nouveau mort. Fifadrien, Riwolf, Linkyu et Tinali. Faisons un petit point et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode après la nuit. Qui est mort? Enfin, qui est encore vivant? Il y a moi-même, Laura, Fifadrien, Tinali, Diflix, la fille de tout, Damien 0318, Sidonio, Magikou. Karamia 04, Shaolino, Linkyu, Taekwondomi et Price. Bon bah si j'ai pas signé votre pseudo, c'est que vous êtes mort. Et du coup que vous ne méritez pas la vie. Nuit numéro 5, et il n'y a toujours pas eu d'event. Ce qui est assez rare en fait jusqu'au cinquième jour. Fifa escalade un arbre pour dormir. La fille d'auto détruit le matériel de Diflix. Tinali tue Price 2. Sidonio aide Diffuse 2, demande à Diffuse 2 de le tuer, mais il ne le fait pas. J'essaye eh bien, de me réchauffer. Damien 0318 fait de la bouffe. Linkyu et Sidonio 2 s'entraident pour noyer Magikou 2. Carmirror chante. Moi-même 2, Carmirror 2 et la fille de tout discutent de la game. Laura pense qu'elle va gagner. Enfin, j'espère qu'elle gagnera au moins une saison. Ça lui fera très plaisir, je pense. Taekwondo 1000 passe encore un test d'exhaustion, mais je ne sais pas comment dire.
Et c'est Shaolino qui survit encore. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.